Alors bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les gars. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Ouais. Et passons directement au sujet de la vidéo. 8 habitudes des personnes les plus heureuses, mon ami. Oui, je vais te donner 8 habitudes. Tout le monde veut être heureux. Fais pas le gars genre tu veux pas être heureux. Tout le monde veut être heureux. Ok? Donc je vais te donner les clés pour pouvoir être heureux. Oui, mon ami, c'est comme ça que ça se passe. Première chose que les gens font, les gens heureux font, d'accord? Ils ne blâment pas les gens. Ils ne se plaignent pas, ils ne critiquent pas, d'accord? Ils ne blâment pas les gens pour ce qui se passe dans leur journée. Et du coup, ils sont 100% responsables. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, quand tu sais que quand il se passe quelque chose, c'est de ta faute, tu as juste à le modifier. Donc tu as le contrôle, donc c'est cool. Mais si jamais tu penses toujours que c'est la faute des autres, si jamais ta journée a été pourrite, là mon gars, tu es foutu. Tu donnes toute la force aux gens qui sont autour de toi. Et toi, du coup, tu es vulnérable. Tu peux rien faire. Deuxièmement, n'interrompez pas quelqu'un lorsqu'il parle. Laissez-le finir de parler, les gars. Et après, tu vas pouvoir réagir. Okay, parce que quand tu coupes la parole à quelqu'un, en fait, ça va créer sûrement une frustration parce que la personne, elle se sent pas écoutée. Et donc, du coup, ça va l'énerver et elle va pas être à l'écoute aussi de ce que tu vas dire. Et du coup, ça va partir en sucette. Okay? Donc, ne coupe pas la parole aux gens, laisse-les s'exprimer et après, toi, tu interviens. Eh oui, eh oui. Troisièmement, les gens heureux ne passent pas du temps avec des gens qui les rendent malheureux. Tu me diras, ça te paraît logique, mais je suis sûr que tu le fais pas. Okay, y a des gens qui te saoulent, d'accord, mais tu es quand même avec eux. Pourquoi? On ne comprend pas, d'accord? Donc, entoure-toi de gens qui t'apportent de la valeur, des gens qui te rendent heureux, tout simplement, tu vois. Quatrièmement, arrêtez de chialer, les gars. Chialer, ça ne sert à rien. Tu auras beau chialer, déjà, les gens, ils fuient les gens qui chialent, parce qu'une fois, ça va, mais si tu es tout le temps en train de chialer, les gens, ils n'ont pas envie d'être en compagnie de gens qui sont en train de chialer. Les gens aiment être en compagnie de gens qui ont la patate, qui ont l'énergie, qui sont contents, etc. Tu vois, mais pas des gens qui sont toujours en train de se plaindre, toujours en train de chialer. Donc, si tu veux être heureux, arrête de chialer et prends ta vie en main, tout simplement. Cinquièmement, ne laissez pas votre passé contrôler votre avenir. Ça veut dire quoi? C'est pas parce que dans le passé, c'est passé des choses que ça va se reproduire dans le futur. Okay? C'est pas parce que tu as eu des échecs dans des business dans le passé que ça veut dire que si tu continues, tu auras encore des échecs dans le futur. Okay? Le passé et le futur n'a aucun rapport. Il n'y a aucune corrélation. D'accord? C'est toi qui décides de ton futur, c'est le présent, c'est les actions que tu vas mettre en place aujourd'hui qui vont prévoir ton futur et non ce qui s'est passé dans le passé. Donc très important, les gens heureux savent et ne se prennent pas la tête sur ce qui s'est passé dans le passé. Mais ils se concentrent sur ce qui va se passer dans le futur et ce qui se passe dans le présent. Parce que si jamais tu es toujours en train de te prendre la tête sur ce qui s'est passé dans le passé, mais là tu vas remonter au point d'avant où tu es en train de chialer toute la journée. Et ça ne sert à rien, rien du tout. Sixièmement, ne parle pas derrière le dos des gens. Ça ne sert à rien, les ragots, ça ne sert à rien du tout. Personne ne veut entendre des ragots, d'accord? Et sache que si jamais tu es en train de faire des ragots avec quelqu'un ou si jamais quelqu'un t'en rapporte, d'accord, des ragots, sache qu'il fait la même chose pour toi. Si jamais tu es en train d'échanger avec quelqu'un sur des ragots, il fait la même chose avec quelqu'un d'autre au sujet de toi. Parce qu'il y a toujours quelque chose à dire sur quelqu'un, tout le temps. Okay? Donc, ne te mets pas avec des gens qui font des ragots, qui critiquent les autres, etc. Si jamais tu as un problème avec quelqu'un, tu vas le voir tranquillement et tu dis, ouais, voilà, ça, j'ai pas apprécié, etc. Et c'est terminé et tu verras, ta vie, elle sera beaucoup plus heureuse. Eh oui, mon ami. Huitième point et dernier point, ne laisse pas la peur faire te consumer. Faire les choix à ta place. Souvent, la peur, on a peur de choses qui n'existent même pas. Tu sais, c'est des trucs de ouf. Ouais, si je prendre l'avion, peut-être qu'il va tomber. Ah, j'ai peur. T'as peur d'un truc qui n'existe même pas. Ça veut dire que t'as inventé que l'avion allait tomber et donc t'as peur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, alors que tu vas prendre l'avion, il va pas tomber. Mais du coup, t'as déjà eu peur. Et ça aura pu t'influencer en te disant, non, je vais pas prendre l'avion, je vais prendre le bateau. Tu vois? Ne laisse pas la peur, en fait, décider et faire les choix à ta place. Donc voilà, c'était le dernier point, les gars. J'espère que t'as apprécié la vidéo. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. À t'abonner si t'as oublié de le faire au début. Ok? Donc moi, j'accompagne les entrepreneurs qui ont déjà un petit business, d'accord? Qui commence, qui est en développement. Et à les emmener à
10K en 3 mois. Donc, je peux accompagner des profils qui sont dans la thématique des relations, de l'argent et de la santé. D'accord ? Donc, si tu es coach, thérapeute, sexologue, tu as une expertise dans l'immobilier, tu sais comment investir dans la bourse, si tu es coach sportif, etc., tu sais comment gérer les mal de dos. Si jamais tu es dans la thématique, tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous dans la description. D'accord, où tu vas pouvoir réserver une session stratégique avec moi directement. Et donc du coup, tu vas mettre ton mail pour que je puisse te recontacter. Tu vas tomber sur mon calendrier. Après, tu vas choisir ton jour et l'heure selon nos disponibilités. D'accord. Et durant cette session stratégique, je vais te montrer exactement comment tu vas faire, d'accord, une stratégie personnalisée à ton business, comment tu vas faire pour pouvoir faire 10K en 3 mois. Après, je suis transparent avec toi. Si jamais je vois que tu corresponds au profil, d'accord, eh ben, je vais te proposer qu'on travaille ensemble, qu'on implémente la stratégie ensemble pour que tu puisses atteindre tes 10K en 3 mois. Ok, donc maintenant, tu te dis, ouais, mais est-ce que moi je peux, parce que je ne t'ai pas cité en exemple, tu vois, de thématique. Écoute, je ne peux pas te dire là, d'accord, parce qu'on ne peut pas discuter. Donc, prends une session quand même, d'accord. Prends un rendez-vous. De toute façon, il y a un petit formulaire à répondre avant. Et si jamais ça ne correspond pas au profil où je sens que je ne pourrais pas t'aider, bah, j'annulerai la session. D'accord ? Comme ça, ça t'évite de perdre ton temps. Et si jamais je vois que j'ai besoin de plus d'informations, bah, je laisserai la session stratégique. On échangera. Et au pire des cas, ça te donnera de la clarté. Moi, je vais voir si je peux t'aider, si je ne peux pas t'aider. Si je ne peux pas t'aider, bah, je te dirai, écoute, je ne peux pas t'aider. Et je te reconduirai peut-être sur quelqu'un qui pourrait t'aider. Mais voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, ne laisse pas ta peur, hein, on revient au point 8, ne laisse pas ta peur, avoir peur de prendre une session stratégique. Elle est offerte, les gars. Donc, tu cliques, tu prends rendez-vous et c'est tout, quoi. J'ai envie de te dire, tu veux avancer ou tu veux pas avancer, mon ami? Ok? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo et on reste déterminés!